On a l'habitude de dire qu'après la pluie, c'est le beau temps, mais ce n'est pas du tout le cas ici à Djaminar, dans cette localité située à l'entrée de la ville de Saint-Louis. Ici, les populations sont dans le désarroi après les premières précipitations enregistrées dans la ville tricentenaire. Parce qu'on sait bien que bon, ça c'est une situation vraiment qui revient à chaque année. Bon, on est confronté à des situations pareilles. Mais malheureusement, les populations sont un peu bernées par les politiciens. Parce qu'à chaque fois ils viennent ici, ils nous donnent des promesses. Et ces promesses sont non tenues. À Djaminar, les rues et ruelles sont toujours inondées et les populations ont du mal à sortir de leurs maisons pour vaquer à leurs occupations. Vous voyez, c'est la première pluie, mais personne ne peut sortir dans les rues. C'est parce que tout simplement nous sommes bloqués. Et bon, en tout cas, nous demandons aux autorités vraiment de nous venir en aide. Bon, nous vivons avec les eaux de manière vraiment difficile. Nos enfants tombent toujours malades. Bon, la population ne parvient pas à sortir de ces eaux parce que vous voyez, c'est la première pluie, mais personne ne peut sortir dans les rues. C'est parce que tout simplement nous sommes bloqués. Et bon, en tout cas, nous demandons aux autorités vraiment de nous venir en aide. Face à cette situation, les populations de ce quartier situé à l'entrée de la ville de Saint-Louis et qui héberge l'une des plus grandes stations de pompage des eaux pluviales de la ville de Saint-Louis interpellent les pouvoirs publics pour que leur localité soit connectée au réseau pluvial.